De la houle en baisse et du vent toujours offshore ce midi sur la Cano. Rebonjour à toutes et à tous. On a une superbe mi-journée. Les températures montent en flèche, 28 degrés, dans l'eau 19 degrés. La marée est en train de descendre. Le plein bas est à 13h45 avec des coefficients coquinou de 69. Et sur cette fin du descendant, mi-descendant, le vent est encore offshore, plutôt est-sud-est, faible à modéré. Des fois il se calme, il est très légèrement onshore et hop, il se renforce offshore. Attention, c'est encore offshore mais ça va tourner. Le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses, là où les propres et longues avec 10 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à ouest. Elle est en atténuation, 50 à 80 cm en déferlement régulier, 1 mètre à 1 bon mètre aux séries. Bon, il y a encore des bouts, hein, c'est du petit surf, c'est joli, c'est mignon, il y a carrément de quoi glisser. Des vagues qui activent les bandes du large, qui propose des épaules assez molles mais qui déroule assez longtemps. Il y a beaucoup de monde à l'eau, tout le monde a passé la barre. Ça sort sur toutes les zones. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va être stationnaire. La Bouard Cachan-Gascogne stationne à 1,20 m et 6 secondes. Pour ce qui est du vent, on va avoir un vent plutôt onshore, faible à modéré entre midi et 2, puis la brise de nord cet après-midi. Ce qui nous donne en prévision à 13h 1 mètre, houle ouest-nord-ouest à ouest, 10 secondes de période, vent nord-ouest 1 à 2 Beaufort. Et à 17h, 80 cm, 1 mètre, houle ouest-nord-ouest à ouest, 10 secondes de période, vent de nord-nord-ouest, 3-4 Beaufort. Et en toute fin de journée, ça devrait regrossir, parce qu'on a la bouée Brest à la hausse depuis ce matin, la bouée Arcachon-Gascogne sur le tout dernier relevé qui est à la hausse, et en toute fin de journée, ça devrait revenir vers 1 mètre à 1 mètre 20, mais gâché par le vent de nord-nord-ouest, qui a priori ne devrait pas se calmer sur la fin de journée. Donc meilleur créneau sur toute la première partie de journée, moins bon créneau cet après-midi. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 92 29 78 73 à 14h en vous souhaitant une bonne journée. Là où l'on